Les gars, on est enregistré. Pourquoi tu mets un tube sous ton cul, ma gueule? Ouais, du scotch sur le truc. Bon, on va se poser beaucoup de questions. Je fais un clap. Ok, donc... J'ai fait un clap, là. Bon. Quoi, tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Webedia, pour la première vidéo de l'année en studio, avec Ludo. Yo, l'équipe. Madiba. Bonjour. Et Sylvain et Olivia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que je voulais faire sur la chaîne depuis quelques temps. C'est un concept, mais on va souffrir, et je sais que vous aimez quand on souffre, mais l'objectif, c'est surtout de faire souffrir les autres. Il y a des trucs chelous, on est d'accord. Et bah, si je vous disais que j'ai un objet qui permet de vous rendre des décharges électriques, est-ce que vous seriez content? Est-ce que vous êtes content d'avoir fait une heure de route, aller-retour, deux bandes d'essence, trois péages pour faire ça? Non. Un objet qui va nous permettre en gros de aléatoirement se prendre une décharge électrique. La personne qui va se prendre aléatoirement la décharge électrique va devoir répondre à une question qu'on va faire sur ces deux feuilles. On a du budget, on en a deux. Admettons que la personne ne veut pas répondre. C'est une question. Quand c'est corsé, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si la personne ne veut pas répondre, elle peut ne pas répondre. Avoir son intégrité, on respecte. On a acheté un pistolet qui lance des élastiques très forts. Même sur la page Amazon, genre le gars sur la pochette, genre il court tellement le pote il casse les couilles avec son pistolet élastique. Moi j'ai pas prévenu. Hein. Moi j'étais au courant. Je vais souffrir. Et du coup, bien évidemment, si le concept vous plaît, si vous aimez nous voir souffrir, le petit pouce bleu. Clairement, le petit pouce bleu. Les gars, pouce bleu. La cloche. À combien de pouces bleus la vidéo est rentable pour vous? Deux pouces bleus. L'objectif, les gars, c'est deux pouces. Qui a mené les piles du coup? Non mais arrêtez de rigoler, genre vous avez tous dit dans le mail, prends des piles, les gars. Il a envoyé le mec du tout. Ah mais attendez, donc personne a reçu le mail? Personne. Je les ai oubliés au boulot. Non mais là par contre les gars c'est rouleau. Ça veut dire que je vais devoir aller voir genre des gens là-bas, leur demander alors qu'ils sont en train de bosser, vous avez pas d'épines? Ouais, gros. T'es con, en vrai j'en ai acheté. J'en ai acheté juste avant. Oui, en vrai ça ressemble à des objets un peu bizarres. Je pense qu'on peut faire des trucs sexuels avec. Vous prenez tous. Je veux le plus beau. Merci. Je veux le bleu. Et moi je mets pas que des questions méchantes hein. J'ai que des questions hard, ma gueule. Non, en fait le truc c'est qu'en gros il va y avoir une musique. Et quand elle va s'arrêter, en gros le dernier à appuyer là, il va se recevoir une décharge. Et c'est celui qui se reçoit la décharge qui va piocher la question. Et du coup les amis, c'est bon, on est parti, on a tout dans ce beau bonnet qui appartient à Sylvain. Okay. Non mais qui sont incroyables. Ça fait très bizarre, on dirait qu'on va communiquer avec un esprit. Genre dès qu'il y a plus de musique, faut appuyer. Madiba, je t'aime. Moi aussi. Allez. Tire notre petit chapeau. Oh non mais vas-y, mais c'est des questions comme ça. Ok. Les gars, as-tu déjà servi de ton statut pour pécho? Oh, la question qui fâche. Lucille en 5ème. Non, je déconne. Non, en vrai, jamais. Jamais. Je sais qu'il y avait alors. Jamais. J'ai des histoires. Il y a des abonnés qui clairement juste parce que t'es youtubeur, forcément, tu sais, elles ont envie de passer du temps avec toi. Et un peu trop proche des fois. Vous voyez, ça va jusqu'au lit. Toutes les copines que j'ai dans ma vie n'étaient pas abonnées avant de me connaître. Genre, elles se sont abonnées après. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai obtenu 270 000 abonnés. Est-ce qu'on monte l'intensité ou on reste toujours? Yes. Non mais attends, mais du coup c'est qui l'a pris? C'est Mathieu. C'est Mathieu. Tu as déjà fait show une mineure en étant majeur. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ah gros, si tu sais. C'est vrai. Par Game Switch. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il y a une anecdote qui va avec, c'est obligé gros. Attends, une petite anecdote. Une abonnée à moi a ramené une de ses amies en convention et quand elle m'a rencontré, elle a aussi rencontré Maddy qui était du coup avec nous pendant la convention. Sauf que le truc, c'est que l'ami de mon abonné est tombé amoureuse de Madiba. Elle a cru que c'était le vrai, je crois. Franchement, en rencontre à Paris Gaming, c'est un peu stylé, on va pas se mentir. On a rien fait. C'est pas ce que dit ton casier judiciaire, mon gars. Plus ce qui se passe, c'est qu'après, bon, ils sont sortis ensemble normalement. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais techniquement, elle avait 17. Il avait 25 ans. T'avais 25 ans. Mais j'ai pas 25 ans. T'avais quel âge? J'avais exactement 19 ans, je crois. 19 ans et demi. C'est genre 19 ans. Je venais d'avoir 3 quarts. Et du coup, le septembre, j'ai mon anniversaire le 30 septembre. Envoyez-moi des cadeaux à mon PayPal, bien sûr. Ah, carrément. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et viens acheter un sandwich. Petit sandwich là. C'est toi qui l'as pris. Mec, il avait tellement... c'est grave. Il avait tellement peu de réaction. Il m'a tiqué, mais j'ai cliqué. Il va tirer son truc comme les autres. Quand est-ce que tu as fait des bons lives sur Twitch? C'est vrai que je suis streamer et c'était il y a très longtemps. Très longtemps, il y a exactement un an. C'est la seule fois où j'ai eu 100 viewers. Mais 100 viewers? Ouais. Chaud. Félicitations, enchanté. Merci beaucoup, enchanté. Toute ma vie est dans cette win. Je ne peux que gagner, je suis le gagnant. Tu peux perdre. Je l'ai pas eu. Bon, ok, on recommence. Personne l'a eu? Pourquoi ça bug? Non, je souffre. Les gars, non mais sérieusement. Il y a pas un endroit, il y a des... Pourquoi tout à l'heure tu t'es fait ta gueule? Mais ça rase. Mais vas-y, tu fais ça pour juste pour que je fasse ça. Mais ça marche très bien. Mais non. Ah,
craqué. En vrai, Madiba, il nous fait 9 AQ, il y a que lui qui pose des questions. Madiba. Et ça enlève l'eau. Je voulais te revoir ton corps, je suis désolé. Ok, ton rêve. Ça, c'est une question de tonton Rayton. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve. Mon rêve était le suivant: m'installer en Islande et pouvoir élever un troupeau de vaches et vivre dans la tranquillité et le calme paisible. Et du coup, tu t'es dit, habiter à Paris et être banquier, c'est vraiment exactement comme mettre des vaches en Islande. En investissement. Et les gars, on augmente. Mais on est en extrême. 6.5 hours later. A few inches later. Vous allez bien? C'est bon, j'ai pas eu chat. Moi, attends, j'étais content. Ah. Oh, c'est cool, c'est une question de moi. Ah merde, c'est pas cool, c'est une question de moi du coup. As-tu déjà été bourré au point de vomir? Ouh. En vrai, non. Moi, je vomis pas quand je suis bourré. Non, c'est vrai que tu fais des trucs sales. Moi, je fais des saltos, je fais de la capoeira. Genre, j'arrive à mettre ma jambe. Non, en fait, j'arrive pas avec ce jean. Non, c'est que quand t'es bourré que t'y arrives. Mais exactement. Non, je n'ai jamais vomi en étant bourré. Lui, bourré, c'est quelque chose. Bourré, ouais. Il fugue de chez lui. C'est vrai que. Carrément. C'est vrai qu'on a dû courser au moins deux fois. C'est bon? C'est toi? Es-tu où avec Rayton pour l'argent? Oh! Est-ce que t'es pote avec moi juste pour l'argent? Pote avec Rayton? Mais bien sûr que c'est pour l'argent! Bah oui! Mais vous croyez que je suis là pour quoi? Bah oui! Non, en gros, attends, je t'explique comment ça fonctionne. Mais en soi, attends, mais Madiba, du coup, tu disais que t'étais là pour mon argent. C'est ça que tu disais? Ah, j'avais mal lu la question! J'ai cru qu'on parlait de rayon! Aïe! J'ai l'impression. Non! C'est pas possible, le mec, y'a que lui qui. Mais il est immonde celui-là! Mais je suis désolé, je veux pas être plus rapide que ça! Il a fait mal? Mais il m'a tué! C'est cool! Allez, vas-y, on va. C'est quoi la question? Ta pire honte. C'est quoi ta pire honte, Madiba? Avoir pécho de mineur. Mec! Oui! Non, il a déjà répondu à ça. J'ai dit oui! Non, pas le droit de répondre à la même chose. Un truc. Non, c'était pas honteux! Le mec 17, j'en avais 19, ça va. Exister, ça compte? Je ne répondrai pas à cette question. Ça tire à balle réelle, mon gars. Je ne répondrai pas à cette question. Tu répondras pas? Je répondrai à cette question. Pire honte, c'est d'avoir pas laissé ma place dans le RER tout à l'heure. Pourquoi t'as fait quoi? Bon, Ludovic, bah tu joueras sans. Non, alors là, frère. Non. Ça marche pas. On est en mode extrême, d'ailleurs. Ah ouais, déjà? Ah. Putain! Ah, c'est moi! Monsieur P! J'ai vraiment pris genre 2 secondes à me rendre compte que c'était moi qui me prenais le truc. Vous voyez, ici, on est tous un peu sombres. On a tous une part de sombritude, une part de lumière. Mais Sylvain, il est pas sombre, il est abyssal. Même dans les abysses, quand on parle de Cthulhu, non, on parle de Sylvain, les gars. Il a fait des choses que même si vous mouriez, vous oseriez pas le faire. Ah. C'est une de mes questions. Ton site préféré? C'est la question mignonne de ma liste. Mais c'est quoi? Mais t'es obligé de dire le nom? Bah ouais, bah c'est YouTube. Non, mais je l'ai acheté pour rien, les gars. Vas-y, fais-le. Non, tu vois, le je te jure, ça me fait mal. Je suis pas une salope. Ah, je suis une salope. Ok, du coup, attendez, on va augmenter, on se met à 4. Ah, deux. Ah! Mais je crois qu'il y en a. En fait, du mode extrême, il y en a plusieurs qui se font taser. Ouais, ok, en fait, c'est les deux derniers qui se font taser. Tiens, tu mettrais une musique hot. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Cherche les mecs sombres de ta région. Pire punition de tes parents. Ah, Charlie réfléchit bien. Mec, mes parents ils étaient trop cool avec moi. On voit ce que ça donnait. Franchement, c'est vrai qu'ils étaient vrais. Ils sont vraiment. En vrai, ils sont vraiment trop cool. Moi, je suis pas un enfant, tu vois, à problème donc. C'est un enfant à problème, mais ses parents, genre, ils se tapent des barres, tu vois. Moi, en gros, ils disent putain, mec, t'es con, heureusement qu'on t'a fait, c'était divertissant, tu vois. En gros, vous voyez Rémi Gaillard, les trucs qu'il faisait. Genre, en gros, il insultait des gens des fois, pas dans ce livre, mais genre, il insultait quelqu'un et juste il est parti après. Donc, pour le fun, ce que j'ai fait, c'est qu'on était avec un pote, on dormait chez moi. J'ai écrit juste qui c'est con et con sur des papiers, sur des post-it, et j'ai dit à mes parents, tenez, c'est pour vous, mec. Après, on est retourné dans ma chambre, on était en mode, oh putain, on est trop des thugs, genre on insulte les parents et tout, c'est pas juste ce qu'il faut faire. Après, je te jure, ils ont regardé leur papier, ils ont fait, oh lui, je vais le. Ils ont sorti le gun, mec, ils sont arrivés dans ma chambre, je me suis pris une claque, j'ai fait 19 tours, depuis j'ai appris le 360 en BMX, j'étais. En fait, j'avais un balcon où, genre, pour séparer des voisins, du coup, il y avait des espèces de grandes vitres. Et un jour, je jouais au foot avec mon petit frère et j'ai tiré trop fort et du coup, j'ai explosé cette énorme vitre. Et vous voyez les bambous là pour faire pousser les plantes droites là? Voilà, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent cette punition là. Fait s'abattre avec ce genre de bambou. Voilà, je vous le dis, ça fait très mal, vous savez. Très bien. Moi les gars. C'est toi et moi? Et la... Non, c'est. Ouais, deux. Non, c'est qui? Bon, c'est toi? Franchement, la vie qui commence à doser. On s'est tous fait taser ou c'est comment? En fait, du coup, c'est tout le monde qui prend sauf celui qui appuie. Hey ça va, c'est bon? Ah oui, ton pire recal. Dans tout ou juste genre dans les relations?
Ouais, relation. De toute façon, t'as que ça. Ludovic, choisis ce qui me connaît bien. Olga ou Anaïs. C'est quoi la pire? Alors, les gars, Olga, franchement, je vous dis, il a essayé de pécho la cuisinière au camp de vacances. Ça s'est pas trop bien passé. Et il a essayé de pécho une pote à moi. Et celle-là, franchement, les gars, c'est la meilleure des deux. On joue à Mario Kart et tout ça. Et moi, j'ai fait, ouais, vas-y, si Charles gagne, et ben il a un bisou, tu vois. On se retrouve à l'arrêt de bus, tout se passe bien et tout. Et Charles, il s'approche pour l'embrasser. Elle lui tourne la tête comme ça. Et elle lui fait la bise. Et après, j'ai tendu l'autre jour. J'étais en mode. Ouais. C'est juste parce que je l'avais savonné sur Mario Kart. Mais moi, en vrai, je sais pas ce que j'ai, gros. T'as bien une recale, je voyais bien une fille qui t'a dit non. Bah, oh, franchement, on m'a juste dit genre, on va rester potes, tu vois. Franchement, j'ai pas eu de truc violent, j'ai eu de la chance. Bon bah, ok. Vas-y, bah, tu vois. À toi, sinon. Ah. Genre, j'ai pas eu de recale violent comme toi. Au final, juste, il se passe rien, mais j'ai jamais eu de. Ah, bah, d'accord, t'as pas eu une recale pro dans ce cas-là. Genre, un jour, on t'a convié un mail, on t'a dit non. On veut louer une salle pour faire de la musique à l'école. Depuis lundi, j'ai toujours zéro réponse de si on peut avoir la salle ou pas. En gros, une semaine, on ne parle pas. T'as l'impression que c'est une recale. T'as pas vécu ma vie, mec. Mec, moi, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Ah oui. Yes. Tu peux lire la question. Tu préfères être frappé par coup ou par coup dur? Bah du coup, je préfère être frappé par coup. Ça, c'est coup. Il est élastique. Il s'appelle dur. Donc en gros, je vais être frappé par coup dur. Pourquoi il veut pas? Coup dur, il m'aime bien, hein. Ah, j'ai mal, je souffre. Ouais, c'est... T'as vu, c'est ça, là. C'est vraiment nul. Achetez pas ça. Oh, Sylvain. Allez, Maddy. Allez. Du coup, tout le monde, du coup, je pense qu'on s'arrête pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce concept. Jamais. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne. Du sous 15 000 pouces bleus, on refait le même concept en plus dur. Je retrouverai des objets plus convaincants. La cloche. La cloche. Activez la cloche et abonnez-vous pour recevoir la suite des vidéos. N'oubliez pas d'aller checker le merch aussi. Et ciao.